Salut, c'est Youssef. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Déclic. Alors, je m'appelle Youssef Zaki, j'ai 27 ans, je suis de Bruxelles et je suis chanteur. Alors, je vais vous parler de mon parcours musical. J'ai commencé à peu près il y a 2-3 ans et j'ai commencé dans les rues de Bruxelles. Alors, cette aventure de The Voice France cette année, c'était exceptionnel parce que ça m'a donné beaucoup de confiance et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs qui m'ont un peu changé, ils m'ont un peu forcé, donc franchement, je le conseille à tout le monde, allez-y si vous voulez auditionner pour faire The Voice. Alors, j'ai choisi Vianney parce que parmi les quatre coachs, c'est celui qui m'a parlé le plus, il a failli pleurer, donc je me suis dit, une personne sensible, peut-être que nos univers se collaient très bien, et du coup, j'ai eu des difficultés à choisir, mais pour finir, j'ai pris vraiment lui, surtout pour ça, pour son côté sensible. Alors, pour les battles, j'ai été contre Anaïd. Anaïd, c'est une personne en or, c'est une personne avec un grand cœur. Je ne pouvais pas demander mieux, franchement. J'étais très heureux d'avoir partagé cette battle avec elle. Vraiment, c'est une belle personne, en fait. On ne s'est pas beaucoup côtoyé parce qu'on a resté 2-3 semaines pour les répétitions et tout. Mais les peu échanges que j'ai eu avec Anaïd, c'était toujours avec plaisir et amour. Et on parlait toujours de la paix et tout. Donc. Voilà. Alors, cette aventure, ça m'apporte de la confiance, ça me donne plus de confiance, tout simplement. Ça me donne plus envie de poursuivre encore plus mon rêve parce que j'ai adoré en fait les commentaires et ce que les gens ont ressenti quand j'ai chanté. Ça me pousse vraiment à me développer encore plus. Je m'attends à progresser, à devenir meilleur et à partager plus. Voilà. Mes influences musicales, j'en ai plusieurs, vraiment. J'ai plusieurs univers, donc je dirais Coldplay déjà. J'adore les Coldplay. J'adore Sia, j'adore Billie Eilish, Camille Lelouch, j'adore Frank Sinatra. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je peux aller jusqu'au Björk, vraiment, j'ai une vaste connaissance. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus chanter? Ça dépend. Parfois, j'ai envie d'envoyer, donc je vais avec la force vocalement. Et parfois, je peux rester sur la douceur. Ça dépend aussi de mon état d'esprit. Youssef est gentil, humble, sensible. Mon plus grand rêve, bon, c'est un peu utopique, c'est la paix dans le monde, je suppose. Vraiment que personne souffre. Si on doit être réaliste, mon rêve, c'est vraiment de partager des beaux souvenirs. Vraiment, pour moi, les souvenirs, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir dans cette vie. Donc, avoir des super souvenirs. Je voudrais vous faire découvrir trois artistes qui m'ont beaucoup touché et bouleversé. Ils m'ont aussi aidé à grandir musicalement. C'est It's Mantis, Mantissa, Mina Blue et Stephen. C'est trois artistes qui m'ont fait grandir énormément, vocalement. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et là, je suis en train de travailler sur mon TikTok, mais c'est un peu... c'est pas trop mon truc. Ce que vous pouvez me souhaiter, la persévérance peut-être. Me dire, oui, continue.